Et bonjour internautatrice et internautateur, ici Galène pour les jeux du cygne. On retrouve notre partie découverte de Sunwalkers avec la 21e caravane qui va repartir et essayer d'aller trouver l'arbre d'où je sais plus comment. Et donc on redémarre avec une équipe de niveau 1, mais une équipe de niveau 1 qui avec trois nouvelles classes qu'on va donc pouvoir expérimenter. On a un hydromancien. Qu'est-ce que j'ai comme équipement? Ok, un hydromancien. Alors, qu'est-ce qu'il va développer au niveau 2? Alors, l'allié le plus faible chope du bouclier, 25 de dégâts d'eau. Échange de position avec le lanceur donne brave. S'il lanceur a un bouclier, plus de dégâts. Ok. Je vais prendre plutôt ça. Ensuite, l'archéologue, de toute façon, c'est instant, c'est la régène de santé. Il n'y a même pas à réfléchir. Toi, ça va être l'auto-heal. Ah, je l'ai pas. Ah, le drame. Ah, le drame. Ah. Petite pause. Donc, ça, je m'en suis pas du tout servi. Ça, je crains un peu le... Je vais voir la nuée ardente, ce que ça fait le deuxième petit dégât. Mais pas d'auto-heal, ça craint. Et le génie, qu'est-ce qu'il me propose? Alors, pelle tactique. 50% bonus d'agilité, 50% bonus d'intelligence. C'est bizarre quand même, ça a l'air d'être un soutien. 50% explosif 99. Et ça... Bon. De toute façon, j'ai prévu de le mettre plutôt devant. Je sens que ça va être compliqué. Donc j'ai plutôt... Bah ça c'est dit, ça donne. Ouais, je... On va tester ça. Ouais, parce que le truc c'est que c'est quand même lui qui a le plus de PV. Avec... Donc de toute façon, je change la position. Tac. Et... Tac. Et tac. En plus, lui, il a un bonus. Lui, il a exalté. Portefait. Oui, lui, il faut qu'il soit depuis l'arrière-garde. Ouais, lui, il a le boubou, mais il est quand même vraiment faiblard, donc compliqué de le mettre devant. Alors, la Christothèque, ben on y est déjà passé, on n'a plus de points. Recrutement, je peux récupérer un diplomate, pourquoi pas. Avec une corde et puis... Je mets tout, c'est un peu con. Ah non, une pioche. On va plutôt mettre ça. Oui, si la corde, il faut le mettre. Hop. Terrassier. Ah, les agronomes terrassiers avaient un plan pour reverdir la vallée. Ils avaient besoin d'aide d'une caravane MK. Ah, je m'intéresse. Conseil agronomique. Nous découvrîmes tout un conciliabule autour de cartes fort détaillées. Une poignée de flawen. C'est pas les flawen. Ah, c'est les grenouilles, d'accord.
échafauder un plan ambitieux pour reverdir la vallée. Un point leur restait à éclaircir. Qui irait s'aventurer dans le fil? On va pas le terrain. Ce sera nous. Ils se tournèrent lentement vers nous. Quelle chance! L'une des rarissimes caravanes Inca se tenait là. Précisément à ce moment. La Providence, sans doute, c'est à n'en point douter. Nous leur répondîmes que nous essayerions peut-être, mais nous ne promettons rien. Ok, et nous pouvons escorter quelqu'un. Hop, un voyageur. Accepté. Hop, on peut sortir. Oula. D'accord, donc là, il faut partir au nord. Pour agromancie. Réparer les moulins, fertiliser les cactus, réparer les puits. Alors, de même, j'ai l'hydromancien qui fait remonter l'eau présente dans le sol autour de la caravane afin de la collecter. Ok. Ici, qui va gagner des points de santé, mais il faut que ce soit fertile. Et des éléments dissimulés dans le brouillard. Eh bien, allons-y. C'est parti pour la 21e caravane, donc plutôt au nord. Là où c'était les corons. Ouf! Je trouve des trucs comme ça, moi. Offrir un repas 25, attaquer, commercer. J'ai pas grand chose à leur proposer. Les caniques, en même temps, je les rencontre jamais. Mais je vais pas pouvoir prendre les plus 30. Sinon, je fais un combat. Donc, je vais faire un combat. Comme ça. Faut pexer. Hop. Alors, j'ai jamais combattu ces trucs. Ah oui, sauf que c'est vrai qu'ils m'attaquent d'abord. D'accord, il a déjà fait tomber mes boucliers. J'ai pas repéré ce qu'a fait le premier. Alors là, j'en ai deux qui m'attaquent. Mon génie. Ah, il peut pas se le donner à lui-même le bouclier en plus. Oh, comment c'est naze. Comment c'est naze. Ça fait quoi, immunité ne subit aucun dégât. Ah ouais. Plus 25% à toutes les stats. Ok. Enlève les effets malus. On va tenter ça. Hein. Et je lui ai rien mis en plus. Tant pis. Ah, c'est que c'est des dégâts d'intelligence ensuite. Ah oui, lui je le tue cash. Ça me va. Ah si! Lui il a chopé cible facile, tiens. Alors là, je peux les empoigner tous les deux, ça va les stun tous les deux, ce sera très bien. Et ça fait quoi? Elle est le plus faible, plus 11. Je sais pas ce qu'il veut dire par plus faible, ceci dit. Hop, mais je vais faire ça. Ce qui devrait résoudre le problème, j'ai pas perdu de vie. Hop. Hop, tu es stun et tu es mort. Hop. Là, je chope quoi? Plus 12. Je vais aller faire le combat. Niveau 2 toujours, et ils vont toujours attaquer avant moi. Ça, je pense que ça va être vraiment le plus gros point faible de ce build.
Oh, il a ses 4 attaques avant moi, je peux rien faire pour l'en empêcher. Et je commence à choper du dégât dans tous les sens. Ouais. Donc ça, si j'ai bien vu, le cible facile, j'avais attaqué derrière, il me l'avait mis devant. Vitesse augmentée de 2, ça change pas grand chose, Coco. Bon. Est-ce que j'en ai qui résistent? Oui, eux, ils sont tous résistants au feu. Qu'est-ce que j'ai? La bouclier régénérant. Très bien. Résistance physique 10 minutes 50. Je peux lui mettre un petit boubou. C'est pas grand-chose, hein. Putain. Ça, je vais tester. Il a quoi? Il a plus 25% sur toutes les stats. Ouais, comme ils sont tous résistants au feu, c'est un peu ballot. Là, lui, je peux le stun. Lui aussi. Lui aussi. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est le T, ça va faire dodo. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Posture défensive, des dégâts en... en colonne. Là, je le tue. Et lui, je le stun. Ou alors, je mets un bouclier. Ah, c'est uniquement en ligne avant. Je peux le stun, lui. Ça lui rajoute du bouclier. Là, je vais mettre la régène de santé. Stun est mort, très bien. Il a pris des dégâts. Ça fait quoi ça? Verrouille une action aléatoire. C'est daté. Ok. Est-ce que je lui fais? C'est marrant, il me met moins 3 alors qu'il perd 5. Moins 30. Alors, qu'est-ce qui est votre... Là, c'est bon, je peux le break les deux. Et lui peut terminer celui-ci. C'est clairement plus compliqué. Hop. Touillé. Et touillé. Je perds clairement plus facilement de la vie hein, avec ce build. Avec ces 4 gens là. Il m'a pas proposé un seul protecteur ni un seul assassin. J'ai pas de macérat, tiens. Naze. Alors, découvre-moi la zone. Level up. Qu'est-ce qui va level up? Qu'est-ce qui va level up? Ça, des fois, je puisse améliorer son heal. Enlève tous les effets, mais ça, c'est vraiment naze. Sérieusement, quoi. Eh ben non, je peux pas améliorer son heal. Bon, par contre, l'aveuglement, je veux bien. Alors, là, j'ai de l'XP.
taper. Attends, hop, où est-ce qu'il faut que j'aille? Faut que j'aille là. Il faut que j'aille m'occuper des différentes épaves de navire. Ça, c'est quoi? C'est un moulin bridé. Attends, je vais changer de agromancie. Des moulins, des fertiliser des cactus et réparer des puits. Ah, fertiliser quelques. Ah oui, d'accord, mais pour ça, il me faut du macérat que je n'ai pas. Formidable. Vigie effondrée. Ah, pour ça, il me faut des pioches pour les puits. Là, j'ai besoin de bois que je peux récupérer ici. Ça me donne du tissu. D'accord, donc il faut vraiment que j'aille me balader par là. Alors, ça me permet de choper un peu d'XP. On va aller voir par là. J'ai déjà plus beaucoup de vivres. J'essaie d'aller récupérer. Ah, une embuscade. Oh putain, le mec il me fait une attaque de zone. Direct quoi. Et si résistance neutre. Là, si je me soigne, le problème c'est que derrière ça, lui va me blesser mon hydromancien, sauf si le stun. Hop. Allez, régène pour tous. Ah, c'est bon, je peux presque pas passer le tour vraiment. Si on peut mettre ça. L'objectif c'est de se régénérer. Il me fait pas assez mal en étant tout seul. Ah d'accord, il s'est petit suicidé. Ouais, il y en a partout quoi. Vache. Il y en a vraiment partout.
Ah oui, mais déjà la zone. Ah ouais. Alors ça, c'est. Ça, je trouve ça très très sympa. Parce que du coup, en fait, toute cette zone-là qui était autour de Yeuse, normalement, une caravane, c'est tous les 10 ans. Mais du coup, toute cette zone-là, maintenant que Yeuse est de nouveau opérationnelle, eh ben, elle est de nouveau fertile. Ça, sur le principe, je trouve ça vraiment sympa, en fait. Bon, ceci dit. Ouais, bah du coup, on va aller le visiter, Yoz. Je vais prendre des dégâts, mais c'est pas grave, je vais aller faire un petit dodo là-bas. Tiens, j'ai un level up de possible. On va aller tester. Tiens, on va aller voir ce que le pyro il peut me faire. Avec sa nuée ardente, ça rajoute brûlure. Ou l'incinération qui rajoute brûlure. Mais autant faire ça avec la nuée ardente qui est meilleure. Ça me coûte 6. Allons là. Ah, une petite attaque. Ah, attendez. Des sortes de hyènes. Lui, il faut que je le tue rapidement. Histoire qu'il ne me fasse pas de dégâts de zone. Ah oui, là je one shot, d'accord. C'est rapide. Et un peu de bidoche. Alors, hop, je peux attraper une étoile. Mais météorite incandescente, notre pyromancien ancien fixait le firmament dans un état méditatif proche de l'auto-hypnose. Au bout d'un moment, il ferma les yeux et prit une grande inspiration, puis sa main jaillit vers le ciel. Il se tourna vers nous, une flamme ondulait dans le creux de sa paume. Il avait attrapé une météorite. Trop balèze, le mec. Météorite incandescente. Wow, 100 de valeur. Vache. Ça rigole pas. Alors, allons jusqu'à Yose. Ouais, par contre, là, il y a des. Le crocheté, j'en ai un. Agilité, bouclier, résistance au vent, on va prendre. Qui fait de l'agilité? L'archéologue. Ça, c'est intelligent. C'est quoi, c'est? Agilité, bouclier. Je me demande si le génie. Si c'est de l'agilité, volonté. Intelligence, bah c'est bien en plus. Bah, on va lui donner ça. Alors. Et un petit combat. Et encore les mêmes que tout à l'heure. Le saignement. Hop, on le tue. J'étais censé avoir enlevé le saignement, mais manifestement non. Qu'est-ce qu'il attaque? Oui, non, c'est
vais éviter qu'il me fasse plus de dégâts que ça. Alors, Yoz, maintenant que tu as repoussé. Ouf, ouais, c'est pas la même. Allez, un petit dodo ici. Qu'est-ce que je peux échanger du marché? On va voir d'abord. Qu'est-ce que je peux recruter éventuellement? Puis on l'a jamais testé encore ensemble. Ça m'intéresse pas plus que ça, mais. La bouffe, ça m'intéresse toujours. Le diplomate, je l'ai déjà. Donc, au marché. Allons faire nos courses. Ça, 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 ça. Alors, des pièges, j'ai vu que j'en avais besoin. Intelligence, plus 4 en intelligence. Pourquoi pas. Inflige volonté, dégage physique. Un ennemi en première ligne applique saignement. Dégâts de vent, un ennemi en seconde ligne. Ni l'un ni l'autre ne me semble vraiment révolutionnaire. Alors, tissu, il faut que je le garde, je pense. Ça là, 100. Bim. Étoffe brodée, hop. Éclat de chitine. Et on est bon comme ça. Hop, merci pour l'accueil. Je vais me récupérer un petit truc comme ça. 36. Murmure du vent. Alors, je peux le déchiffrer. Se laisser porter, on n'a pas la moindre idée de ce que ça peut donner. Hop. Tiens, j'ai un level up là quand même. Mon petit génie. Alors, qu'est-ce que tu peux améliorer? T'appelles tactique, qu'est-ce que ça donne? Ah, ça donne bonus de stats et immunisé. À coup sûr. Mais ça ne donne plus le bouclier du coup. Pourquoi pas? Plus 4 en intelligence. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'intelligence? On m'a dit. Ça, c'est du dégât d'intelligence. Et lui, c'est volonté. C'est volonté. Coffre trésor, mais j'ai pas de. J'ai plus de crochet là. Non. Ah, mais je suis con, j'aurais dû utiliser ça pour revitaliser des cactus. Sans doute. Hop. Commence à les connaître. Faisons du dégât. Hop. Bim. Lui. Il tue direct. Hop, le drain c'est tellement plus fort quoi. Pas mal, le drain est pas mal. C'est une bonne compétence. Ça fait pas mal de dégâts, plus rajouter du bouclier. C'est toujours bon à prendre. Donc, je vais pas le prendre maintenant. Un petit event. Déclenche un combat. Allez, combattons.
qui dit combat dit XP et dit bouffe. Oh putain, 20 de bouclier quoi, quand il se fait. Quand ils sont attaqués direct. Il faut impérativement qu'il soit stun, voire qu'il soit mort. Là, je stun, ça fait quoi là? Faiblesse mentale, et ça, ça colle du saignement, mais. Ah, sauf que là, lui, je le stun pas. Ah zut, ça c'est forcément devant. La glope. Une idée, ça dure jusqu'à quand? Ça va être la prochaine attaque, j'imagine, mais... Hop, un petit deux zones. Pas réduire mon espoir, désolé. Alors, ceci, ah si, j'ai deux macérats. N'est pas non plus la blinde. Ah, je suis surchargé. Bien, buvons de l'eau. Mais ça ne suffit pas. Alors, là j'ai une ruine palatine. Ah vache, il faut aller jusque là. Oui, j'ai 13 points à faire. J'imagine que ils doivent se dire que ça se fait pas en un seul run. Je sais où je suis là. Je vais aller explorer par là. Hein. Une histoire, très bien, un petit peu d'espoir. Une petite embuscade. Des niveaux 2 toujours. Faiblesse au feu ici. Un petit one shot. Et c'est fini.
Hop, je suis surchargé. Tac. Tiens, ici, là, comme je suis déjà au max en espoir, je vais voir ce qui se passe avec lire les écritures avec mon archéologue. La connaissance du vêtement. D'accord. Ben, ça donne aussi de l'espoir. Ok. Hop. Allons au puits. Et puis, allons voir ce qui se passe là. Alors, c'est un cactus. Tac. Utilisons notre macérat. Sur 5. Ah tiens, lui, je peux le développer. Hop. Justement, alors, qu'est-ce que tu peux, Blade? On a dit que le drain, c'était quand même plutôt pas mal. Alors, soit je rajoute cible facile, soit je rajoute faiblesse à l'eau. Et ça, ça fait plus de dégâts empoisonnés. Ah, mais le drain, c'est que devant. J'ai pas fait gaffe à ça, ce qui le rend un peu moins intéressant. Ouais, je vais quand même le booster. Oh, niveau 4. Ça va être plus compliqué déjà. Surtout qu'ils attaquent avant. Ok, mon tank a déjà pris cher. Il a pris très très cher. Et il s'est boosté. Ouf, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué là. Bordel. Là, avec les épines, je vais m'en prendre plein la tronche. Là, avec les épines, je m'en prends doublement plein la tronche. Oh là, il me défonce mon bouclier d'un coup, quoi. Et lui, il m'attaque derrière. Alors, j'ai besoin de santé, mais j'ai aussi besoin de pouvoir les empêcher de faire quoi que ce soit. Et il était censé être immunisé lui. Ah mais il a déjà joué entre. Il a joué entre. D'accord. Oui, comme j'ai joué, ça a dû faire sauter l'immunité. Super. Et lui, il garde son... Oh là 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 là. Ce run, ça va pas trop le faire. Ça va clairement pas trop le faire. Là, j'arrive à le tuer.
je me reprends des dégâts d'épine. Quel enfer. Mais quel enfer. Et il est mort. Ok. Là, normalement, je les enlève, mais comme derrière, il me les remet. Ouais, de toute façon, c'est les épines qui me tuent. Ouais. C'est ingérable. C'est ingérable. J'ai absolument pas un but pour ça. Bien. Petite pause. Donc, ça va être compliqué. J'ai perdu mon tank. Je vais essayer de faire un maximum de... Ok, pioche. Piochon. Hop. Ah, ça me donne de la bouffe, ça. D'accord. Toujours bon à prendre. L'avantage, c'est que là, j'ai fait celle qui était le plus à l'est. Ah d'accord, il les laisse apparentes. Même si je les fais, d'accord. Redoutable, ouais, niveau 4. Non, je veux pas de nouveau avoir un monstre. Parce que là je sais que je vais de nouveau me faire attaquer au niveau 4 de nouveau. Là j'ai du macérat à utiliser. J'ai utilisé. Non, les pioches, je les garde. Ou alors je vais là. Je vais aller plutôt là. Mais je pense que ce combat sera le dernier. Que l'hydromancien tout seul. Ouais, il n'y a plus de bouclier. Et lui, il le termine. Ok, c'est fini. Que deux. Laisse tomber, quoi. Laisse tomber. Là, il me le tue, d'accord, avec ça. Et lui, ah bah, il me les tue pas, donc. On va mettre sur lui pour le plaisir, hein, mais.
La tempête, je pense qu'il fait que je perds tous les tours un petit peu. Non, je vais survivre encore. Facile. Ah, c'est bien le truc qui redonne 20 vies. Mais il ne suffit pas. Il ne suffit pas du tout. Non, je ne vais pas mourir. Tout ce qu'il faut ici. Hop. Moi, je vais me laisser porter. Ouvrir nos cœurs, notre confiance au champ céleste, nous traverser à nos plaies, se refermer dans ce milieu. Kukwamagkabi. Sous les feuilles, en ancien MK. Une expression de bénédiction de. Ah, ça. D'accord, j'ai regagné de la vie. Mais ils arrêtent là. Alors là, il me faut du bois, j'en ai. Mais je me serais chopé une embuscade entre-temps. Dommage. Si elle eût été niveau 2, c'eût été faisable. Mais comme elle eût été niveau 4, ce n'eût point été faisable. Adieu. Défaite. Bon. Je peux venir rapporter 0. 0. Bon bah. J'aurais commencé la quête. La 21e aurait été moins bien et moins loin que la 20e. Très clairement. Oui, bah ça va, j'ai compris que j'avais plus de points. J'avais pas de points. Salaud. Alors, bon, le génie, je suis pas fan du tout. Par contre, l'assassin, on sait que je suis assez fan. L'hydromancien, c'est bien, mais c'est pas ouf non plus. Le compteur, j'aimais bien. Persiflage, c'était une bonne compétence. Avec une petite exaltation en arrière. Portefeuille. Est-ce que je redonne une deuxième chance à un hydromancien? Là, l'avantage avec lui, il joue vite aussi. Allez, je vais reprendre un comme ça. Un protecteur, merci. Tellement indispensable que c'en est presque dommage. Et alors, ah, ouf. Régène de santé en arrière-garde. Sinon, lui, ça veut dire qu'il est en première ligne. Ça va être compliqué parce qu'il n'a pas grand-chose pour du première ligne.
Ouais, je vais quand même reprendre un archéologue. C'est quand même vraiment bien. Techniquement, lui, il a du heal aussi. Bon. Bah, du coup, j'ai personne ici qui veut bien m'accompagner. Diplomate. Ça c'est quand même assez vite dans les deux cas. Je préfère garder les sonnets qui pèsent moins. Hop, commercer. On va faire les level up. Tac. Alors, on a vu que la mutilation, en fait, c'était pas indispensable. Celui-ci, je l'aime pas trop. Ensuite, couteau, pourquoi pas. Si la mutilation, en fait, oui, c'est si la cible a l'effet de saignement, ça inflige en plus 10 de dégâts. Donc oui, techniquement, en théorie, c'est... Parce que ça, je crois que c'est en plus. Mais j'en suis tellement pas sûr. Non, je vais prendre le lancer de couteau, un petit dégât de zone. Hop. Donc là, lui, c'est de la régène de vie. Ça qui redonne du bouclier. Le seul problème, c'est que la régène de vie, c'est pas sur lui-même. Plus 22 de vie. Pour vivre longtemps, mais peut-être qu'il préférera avoir ça. J'ai déjà de la régène de vie, allez, normalement, enfin j'espère que je vais avoir de la régène de vie. Et ben non, je l'ai dans l'os. Là encore, bon bah, je suis dégoûté. Exalté, rien à foutre. Affaibli en ligne avant, ou réduit l'espoir, ça fait pas mal de dégâts, mais la réduction d'espoir. Bon, affaiblissement. Levée de bouclier, il n'y a même pas à réfléchir. Changer la position, tac. Hop. 60-23 est légèrement plus solide. Mais ça n'est que très léger quand même. Alors une attaque initiale un peu énervée. Bon, l'avantage c'est que deux agissent assez vite. Donc potentiellement ça peut me permettre de bloquer les attaques un peu énervées. Alors, et normalement... Voilà, donc ce que j'ai déjà fait, je le retrouve. Carte de la région. Trois, quatre. Ouais, non. Je vais faire ça, puis ensuite je vais redescendre. On va essayer ça comme ça. Mais ce sera sur un autre épisode. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit pouce ou et à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais bien des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.